Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième émission avec Routel pour nous présenter un nouveau jeu. Cette fois-ci, ça s'appelle Witchers 3. Qui veut dire? Ah, je sais pas. En anglais, The Witch. L'araignée? Presque. Avec un chapeau pointu, il a un nez, ah, avec des verrues. Ah, sorcier. Voilà, une sorcière. Coutel a déjà pas mal limé le jeu dans tous les sens. Là. Il a vu, tout est bien chanfreiné. Niveau 4. Hein. Je suis un guerrier qui a des pouvoirs. Je me promène dans un monde avec, bien sûr, des monstres et puis des gens, des bourgeois. Des... Ah, c'est eux qu'il faut tuer peut-être en premier, non? Et en fait, ils payent pas. Ils payent pas. Eh ben, super. Lançons-nous à l'aventure du jeu. Là, moi, je voudrais retourner dans ce monde-là pour tuer la sorcière du puits, je sais plus quoi, là. D'accord. Alors, tout ça, j'ai presque tout validé. Tout est niqué sur la carte, sauf la sorcière. Sauf la sorcière. Mais dites-moi pourquoi on cherche à la tuer, cette pauvre personne. Parce que la sorcière a empoisonné le puits. Et donc, il n'y a plus d'eau potable. Donc, ah, la piscine à la fontaine d'eau. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon. Escape. Oh là là. Ben voilà. Mais c'est beaucoup plus beau que ce que je pensais. Hein? Ah, mais ça bouge. Et... Oh là là, c'est amovible, c'est en 3D. Oh là là, faut que je m'accroche. Et j'ai plus qu'à y aller, tout de go. Je sais sauter aussi, regardez. Oh là là, ah. Oh, quel homme moderne. Peut-être, sur la piste. Les gens ne voient pas là, votre main. Ah bon? Mais il y a peut-être plus simple. Ah oui, mais moi je suis comme ça. Là, je suis dans le village. Mais la sorcière, elle vient qu'à midi. C'est un peu chiant. La relou. Je sais que c'est dans ce puits-là qu'elle a empoisonné. Le bac à pisse. C'est le crépuscule, là, ou je sais pas, c'est le jour qui se lève. Je vais aller dans. Il se couche, il est 18h46. Oh, c'est marqué quelque part? Ah ouais. Ah ouais, j'avais jamais vu. C'était bien caché. Je vais aller méditer. Regardez. Information. Non. C'est I pour information. Ah ben, c'est ça, le niveau technique. Voilà. Pour inventaire, voilà. Généralement. Ah, oui, mais moi, c'est information. Information. Alors, je vais aller jusqu'à midi, mais elle va m'arriver dessus. Quand on va arriver, elle sera en train de pisser sur vous. Et je regonfle toutes mes batteries aussi. Ça, c'est bon. Ça regonfle tout. Voilà. Le téléphone, la lampe de poche. J'ai des pouvoirs aussi, il faut savoir ça. Voyez, vous pouvez faire des effets pyrotechniques de boîte de nuit. Mais je pense. C'est pour décorer le jardin. C'est un truc que vous avez acheté à Nature et Découverte. Ah, là, voilà. Ça me fait des frissons, moi. Oh là là, crame-la. Ouais, mais je peux. Égorge-la. Ouais. C'est des doubles. Elle va me tuer. Je crois qu'il faut que je la prenne. Il faudrait que je la prenne. Mais elle va s'en aller, en plus. Oui, je l'ai eu. Ah, il y en a deux. Non, il y en a deux. Oh, il y en a trois, j'en ai mis le troisième. Ouais. Oh, c'est terrible. Oh, putain. Oh, arrête. Je l'ai presque. Presque, c'est pas le mot. Elle s'est enfuie. Oh, ouais, bah demain. C'est vachement dur. J'ai le droit de reméditer. Cette technique de cliquer droit et gauche en même temps, je n'avais jamais vu ça. C'est merveilleux. Ça a marché? Ben, presque. Il faut que tu fouilles les baraques. Ah, une pipe. Ouais, bon. De l'eau, ça c'est bon. Une bonne pipe à l'eau. On a le temps, hein. De toute façon, elle va venir qu'à midi. Elle est LED. Voilà, alors c'est écrit là. Suivez les marques de traînée. Voilà. Une sale traînée. Oh là, oh non. Et comment je suis quoi là? Technique de la double cliquette. Là, c'est bon. Pouvoir magique. Yes. Ah, ça marche. Hey. Yes. Yes. On l'a défoncé. Et là, j'ai tout réglé. J'ai oublié de loutrer la traînée. Je la vois. Essence de spectre. Ça me donne tout ça. Ça doit être pour faire marcher des mobilettes de spectre. Et retournez voir Odolan. Pour obtenir votre récompense. Pétard, mais il va me filer 3 francs 6 sous. Alors, je vais aller. Bâtard. Ben, parce que c'est un paysan, il est pauvre. Non. Mais alors, un truc que je voudrais vous montrer, vous voyez là, j'ai de la bouffe. Des fruits secs, 62 viandes crues. C'est des loups que j'ai tués, ça. Vous avez tué 62 loups. Oui. Ou bien plus, même. Donc, d'ailleurs, c'est 4 fois l'intégralité des loups qu'il y a en France, par exemple. Mais quand même, 11 fruits secs. Ah, c'est là. Point vert. Déjà, la quête est indiquée. La quête est indiquée. La quête. Non. Quiquette. Alors, Odolan. Tu bouscules les gens, toi. Ouais, bah. T'as pas le temps de. Quand je les questionne, ils m'envoient chier. C'est des bâtards. Oui, c'est tous des bâtards. Ça se voit un peu que c'est un village de gens qui ont pas. De peu. Ils ont pas de moyens. Voilà. C'est des gens qui ne sont rien. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il m'a donné, malheur? Croutel, là. Bon, là, je suis à la caméra. Je vais faire le. Je vais faire le jeu d'heureux. Normalement, j'aurais pris le poignard, moi. Ouais, j'ai sauvé sa fille. Merci. Ouais. Je prends. Cette personne m'a inculqué la vie. Je vais quand même aller voir s'il n'y a pas un truc à gratter. Le mec vient de lui prendre son pognon et va en plus
grattée. La fille qui est malade. Oh là, bah oui, ils l'ont mise n'importe comment dans le lit. Oh, des auras. Très bien. Je connais une banque qui transforme ça. Mais avec qui je suis là? C'est-à-dire que vous êtes capable de piquer de l'argent au-dessus du lit de quelqu'un qui est en train de mourir. Après leur avoir pris 20 balles. Oui, mais bon, il faut que j'aille sauver quelqu'un. J'ai une copine, en fait, je suis à la recherche d'une copine. Noyer le poisson, il faut que je prenne un bateau et j'ai pas de pognon pour prendre le bateau. Moi, j'écoute plus. Alors, c'est un de vénal. Vous êtes là, visiblement, il faut aller là. Oui, mais l'herboriste, il a dit que l'herboriste, ça savait que. Se calme. Je t'aime bien. Allez, bon, je... d'accord. T'es après le pognon. Les femmes. On va voir la petite. Donc, je suis là. Tu veux lui montrer ta pipe? Regarde, elle est pas mal. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon. Attends, j'aimerais bien savoir ce qu'elle est en train de faire. Regarde là. Mais elle est complètement obsédée. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Que c'est, je la prenne, obscène, que je la prenne par derrière. Allez, on y va. Oh oui, s'il vous plaît, oui. Je suis choqué. Alors, Est-ce que vous n'avez pas des cannelés à mettre au four? Quelle heure? Oh oui, oui. Je n'ai pas pour très longtemps. Alors, donc, Tamara Strangère, une généreuse récompense attend celui qui la retrouvera. Ah, ça, l'appât du gain. Oui, oui, ça, vous avez pu constater que j'apprécie beaucoup l'argent. Je rappelle à tous les éditeurs de jeux vidéo, si vous avez envie que Croutel teste votre jeu gratuitement, payez, c'est mieux. C'est tout ce qui est toute la partie chiante du jeu là. Ouais, là, ça, c'est pénible. Et puis alors, on se rappelle de rien après. L'époque Candy Crush. Allez. Pour retenir toutes ces phrases, hein, Croutel, dans l'ordre. Attention, hein. Le chien a filé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, je sais plus. Voilà. Eh ben, on n'est pas c'est dans réglé. La merde. Non, non, mais bon. Le chien, il a quoi? Il a pissé. Prudence. Prudence de vigueur. Quelqu'un d'autre. Je vais savoir. Le chien a. Merde. Il a dit merde? Non, je crois que c'est vous qui avez dit merde. Non, 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 c'était écrit. Ah ouais? Ouais. Danger, danger. C'est des déserteurs. Oh, les salauds. Vous avez pris une dans la gueule. Là. Faut descendre. Oui, il faut que je descende. Oh! Oh! Oh, le calor, le carnage. Tiens, oh, tiens, tiens, allez, tiens, pas... tiens, tiens, hop, et ils m'ont eu. Salaud. C'est encore un coup des bourgeois, ça. Oui, je croyais que ta cagoule descendait vers la bouche. Ce n'est pas une cagoule buccale. Allez. Permet de libérer tout ce qui est zone qui permet de manger allez. Du cette loup. Cette fois-ci, je vais descendre parce que... Et des fruits secs. Allez, les gars. Allez. Oh, oh. Les mecs. En termes de caméra, c'est très bien géré. Tiens. Allez. Hey, je n'ai pas perdu grand chose, mais un petit Ah non, mais la technique était... Un petit bout de viande. Excellente. Un peu d'eau. Toujours s'hydrater. Non. Tu marches sur une personne. Pas très respectueux. Non, c'est pas respectueux. Mais ah, vous allez les loutrer? C'est des voyers. Ben oui, parce que ça, c'est des loutres, ça. C'est des sacs à loutres, regarde, du poisson. Du poisson, des hachettes. Non, mais qu'est-ce c'est que cette position, c'est ce qu'ils ont, oui. Les mecs étaient en couple, visiblement. Ah, il y a un marchand, là. Je pourrais peut-être lui vendre des trucs. Vendre. Mais pour oui, oui, mais on sait bien. Oh, il y a un truc à ramasser là. Le mec va piquer dans le stock. Du salpêtre. Et il va lui revendre. Du salpêtre, il sait même pas ce que c'est. Bah, c'est pour faire du saucisson. Non, des bombes. Des bombes de saucisson. Là, il est là le marchand. Bah, il est allongé au tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Il ne boit pas trop ce qu'il propose à boire. Tout le monde est allongé dans son échoppe. Alors. Tiens, il y a quoi sur la table? Du saucisson. T'approches pas trop. Elle a largué une caisse ou je rêve? Je suis persuadé qu'elle pète, moi. Mais bon. Il veut entendre la paysanne péter. C'est des bons, ceux-là. C'est gentil. Ouais. Ouais, il pourrait se laver. Hein. Ça saute pas aux yeux. Alors, c'est quelqu'un qui lui a demandé de s'habiller comme ça, au mec, ou c'est par choix? Oh, le cadreur s'endort. Ah non, d'accord. Oh, mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là! C'est qui, ça? C'est elle. C'est elle. La fille, là, dont il parlait, la puante de chienne. C'est pas votre fille par hasard? C'est ma fille! J'ai changé de personnage. C'est moderne hein, comme jeu. Oh bah ça va. Pour le même prix. Elle a la même blessure que son père. Ah bah c'est pour ça. Elle est née avec. Espace. Espace? Espace, c'est la grosse barre en bas. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? On peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Tu vas voir. Le roi des loups, hein. T'es sûr que t'as envie de te taper le roi des loups? Oui, moi les loups, t'as vu, je clique bien. Donc, Interagir avec un cadavre de buffle. Ah moi je prends tout moi. Cinéma. Il y a quelque chose. Un loup. Clairement un loup là. Déjà. Allez, c'est parti. Tiens. Si vous aviez une deuxième souris, je pense que vous feriez avec les deux mains. Oh, vous avez développé une nouvelle technique là.
Je suis même pas sûr que le jeu ait codé ça, c'est vous qui l'avez créé. Oh là là. Putain, c'est la tanière du loup. C'est ça le roi des loups? Oh la vache. On dirait Corinne. J'ai des frissons. Des poils. C'est vrai, j'ai des poils. Attention. Yes. Yes. Ah. C'est tout. Eh ben, bravo. Bravo Croutel. Ben voilà. C'était exceptionnel comme combat final. C'était le combat final du jeu The Witcher 3. Le jeu est terminé. Je peux faire une réclamation pour... Je voudrais une cagoule avec des trous pour mes lunettes. C'est tout. Ça sera mieux. Parce que là, je vois trouble, en fait. C'est un peu pour perdu. Ça. Et puis, il y a un nouveau jeu. Un nouveau jeu, parce que celui-là, ça y est, on l'a torché. Je pense qu'on peut le rendre au magasin. Le revendre. Voilà. Bah, proposez des jeux dans les commentaires. À mon niveau, hein, vous avez vu. Un peu. Avec un niveau assez exigeant, mais un peu plus sucré que ce jeu, qui est un peu trop sombre et un peu trop... Voilà. Le calacrotélique. Il n'y a pas de petite chanson cette fois-ci. C'était quoi la petite chanson? Ah oui, oui, bon, on peut faire semblant. Je vais la remettre, la chanson de Fortnite. Ah oui. Salut à tous. Je mettrai pas de musique. Oh là, on la perd. On la perd. On a failli pas avoir 3e épisode. Je vais voir si mes cannes les sont cuites. Allez-y. Moi je reste là. J'en peux plus de cette personne.